Let's trust it. Salut à tous, ben voilà, écoute, je t'avais dit que je te réservais une petite surprise, et ben voilà, c'est fait. Alors, ça commence, on est à Malte, parce que figure-toi que par chez moi il faisait un petit peu frais. Alors ce que j'ai préféré faire, c'est me mettre au chaud. Tu parles ça d'un temps au chaud, il flotte depuis 3 jours ici. Voilà, il fait que pleuvoir. Je te le donne en mille quand il va faire beau. Et ben quand on va partir, ça fait. Heureusement, écoute, le pergola, cet étage, franchement, et quand tu t'emmerdes un petit peu, c'est quoi, tu viens ici dans une des 3 piscines, elles sont tip top. Et le bar est aussi pas mal finalement, tu vois, c'est sympa. Et là, je te fais pas voir la piscine parce qu'honnêtement, il pleut et c'est un petit peu rageant. Mais s'il pleut pas, je t'amène et on va voir la piscine ensemble. En attendant, moi, tu vois, qu'il pleuve pas, je bois toujours et c'est très agréable. Alors je te rassure, c'est sans alcool. Tout ce que je vais pouvoir te dire jusqu'à maintenant et par la suite, eh ben je serai pas bourré, tu vois. Tu pourras pas dire que ouais, mais c'est parce qu'il a bu et tchic et tchac. Non, pas du tout. Voilà, santé. Maintenant, dis-moi, viens, je t'amène dans la piscine intérieure. Et dis-moi. On va continuer à boire ici, on est dans la piscine intérieure, alors je ne pars pas trop fort, on ne peut pas déranger les gens qui sont autour. Mais tu vois, c'est très calme, je crois que je vais aller me baigner à la tienne. Et voilà, et puis après, tu fais comme moi, tu viens ici, tu viens te faire masser, tu viens passer du bon temps, et ça t'évitera franchement. Je pensais qu'il pleut dehors. Tu vois quand je te parlais d'une météo de chiottes qu'il y avait, quoi. Regarde ça, quoi. Hein? Oh. Attends, je vais essayer de m'approcher. C'est les chutes du Niagara ici, quoi. Les chutes du Niagara, mon pote. Et on rentre à la bouille, c'est quand même mieux. Honnêtement, on est quand même mieux ici. On est revenu à notre point de départ. Et je voulais te parler un petit peu des Maltais. Pas tellement pour dire du mal ou quoi, parce que les Maltais, tu sais, je ne les connais pas assez pour pouvoir exprimer quelque chose. Mais ils ont une façon de conduire bien à eux. Si tu veux, pas de clignotant. Les stops, c'est juste marqué sur le sol, mais ça sert à rien. La nuit, alors c'est une conduite à gauche. Je viens de te le rappeler. Levier de vitesse à gauche, bah, tu t'en doutes, hein, jusque-là tout va bien. Et route pas trop éclairée. Donc les limitations de vitesse de ce que j'ai pu voir, c'est à peu près 80 à l'heure. Et c'est tout à fait normal de se faire doubler à 120 par la droite, en sens inverse, en grillant une ligne blanche. Et oui, parce que la route, hop, elle zigzague comme ça. Et toi, bah, tu te chies dessus, quoi. Donc messieurs, n'oubliez pas, même chez vous, où que vous soyez, utilisez un, les clignotants. Deux, essayez de respecter tant que possible les signalisations, tant au sol que feu rouge, etc. Ah, écoute, je te reprends dans la chambre. Hein. Ce soir, on va aller manger dehors. Et lui, il pleut encore, il pleut, il fait que ça, que pleuvoir. Donc, je sais pas trop un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'on va écourter ou pas? Je ne sais pas. Voilà, écoute, ce soir, en attendant, on va manger. Si tu es sage, je t'emmène avec moi. C'est surtout s'il pleut, je peux pas prendre la caméra. Okay.
Et alors, cette vue, t'en penses quoi? C'est pas mal, non, quand même, hein? Bon, quand il y a du soleil, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on continue. Et alors, ma fille de l'assistante, où va-t-on maintenant? Toi qui es toute décopée par le vent. Je ne connais plus trop le nom. Mexidia. Ouais. C'est une ville de pêcheurs. Une ville de pêcheurs? Ouais, dans le sud de Malte. On va se perdre dans une ville de pêcheurs. Tout à fait. Ça va être chouette. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas alors? Oui. Allez, go, c'est parti. Bien, et ben voilà. Allez, ça va bientôt être l'heure de manger. Hein? On va pouvoir les grignoter un petit bout. Mais d'abord, on s'en va d'ici. T'as vu? Il y a des vrais faux Vuitton, des vrais faux Gucci. Hein? Et la mer, elle est maritante là. Voilà, hop! C'est beau quoi. Et voilà! Un homme heureux! A happy man! Bref! Donc ici on est au petit port de pêcheurs. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Hein. On est au petit port de pêcheurs et on va essayer de te trouver un truc à manger. Alors là ce qu'on a passé c'est que des trucs à touristes, tu vois. Ça se sent, ça pue le touriste. Et quand tu regardes le prix des menus, ça pue le touriste aussi. Donc il y a beaucoup de touristes mais moi j'ai pas beaucoup de moyens. Alors ce que je fais, ben, je vais faire comme beaucoup d'entre vous je crois. Je vais chercher un petit endroit où je peux les manger. Un petit endroit, là en l'occurrence, on va aller s'éloigner du centre, vraiment du coin touristique. Et on va se trouver un petit truc, pas très très cher, mais très acceptable au niveau gustatif. Tu vas voir, c'est pas mal. En attendant, profite du paysage. Is it good? Yes. Yes. Very good. True. You feel me? Yes. Oh. So. Alors mon gars, une cuisine comme ça qui est ouverte, il n'y a pas à dire. Hein. Mais c'est tranquille, c'est du frais, c'est du bon. C'est un des premiers restos où je vais et aussi comme ça. Mais attends, j'ai pas fini encore avec toi. Je t'emmène dans un endroit merveilleux. Regarde ici comment on fait les pâtes. Hein? Alors, toutes les pâtes. Toutes les pâtes sont faites à la minute. Tu vois, donc toi tu viens ici, tu commandes un truc à manger, et hop hop, elle te fait les pâtes. Non, elle devrait pas un sachet. Tu les sachets, c'est chez toi. Mais ici, non, ils fabriquent les pâtes eux-mêmes. Et voilà. Eh ben écoute, c'est ici que se termine notre aventure. Mat terminé. Dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. On repart sur Bruxelles. Le prochain voyage, je t'en repars dans quelques temps. Ce que j'ai pensé de Mat et de ces 4 petits jours, eh ben écoute, c'était pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. La conduite à gauche, oui, on s'y habitue. Oui, on s'y fait. Les premiers jours, c'est un peu tendu, mais finalement, on s'y fait très très bien. Quoi. Voilà. Eh ben écoute, je te laisse, je suis au bras de café, je vais boire un coup avant de reprendre l'avion. Et toi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.